my Jesus, baby. Hello mes amours, hello mes bien-aimés de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de God's Passion. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau concept de vidéo. Aujourd'hui, on va annoncer les événements. J'appelle ça Event Alert parce que je pense que genre, c'est pas facile en fait pour nous les chrétiens de savoir quels événements se produisent et tout autour de nous, parce que genre c'est des événements super rares quand c'est nous, quand ça nous concerne, vous voyez ou pas. Donc c'est super rare, donc il faut vraiment chercher. Donc je me suis dit là on ne va pas chercher, on va déjà dire prévenir les gens et tout, comme ça les gens n'ont pas à chercher eux-mêmes. So let's go. Donc la première chose, c'est que il y a le... Je pense que vous la connaissez, c'est sûr que vous la connaissez. Donc c'est, elle s'appelle Dena Mwana. Dena Mwana, artiste gospel congolaise. Donc Dena Mwana a un concert le 1er juillet à Paris. Je dis ça comme ça, vous savez depuis longtemps et vous avez le temps de vous prendre des tickets si vous voulez ou pas. Donc elle a son concert ce 1er juillet à Paris. Et donc je crois que c'est au Casino de Paris, quelque chose comme ça. Et donc, si, en fait, je pense que je vais vous mettre toutes les adresses et tout dans la barre d'infos, comme ça, voilà. En fait, il faut que le travail soit mâché pour mes babies, en fait, period. Donc, voilà. Donc, la deuxième chose, c'est que Kaes Bloom, lui, il est en concert à Bruxelles pour la première fois. Pour ceux qui habitent à Bruxelles, enfin, non, mais vraiment, genre, vraiment, enfin et tout. Kaes Bloom est en concert à Bruxelles le 1er juillet. Du coup, l'adresse, je vous la mets juste en bas dans la barre d'infos. La troisième adresse, c'est Ada Ei. La troisième chose, donc, c'est Ada Ei. Ada Ei, elle, c'est une artiste, en fait, londonienne. Je crois qu'elle n'est pas du tout américaine. En fait, je crois qu'elle n'est pas londonienne non plus. Hein. Je pense qu'elle fait vraiment... Voilà, elle est sud-africaine, exactement. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur ma playlist chrétienne, vous connaîtrez Ada Ei par sa chanson, par ses chansons. Elle a vraiment énormément de talent et tout. Elle a des 42 millions de vues et tout. C'est une dingue, genre, la meuf. Donc, voilà. Donc, elle a un concert à Londres ce 24 septembre. C'est vrai, c'est un petit peu loin. Mais comme ça, ceux qui veulent partir au concert ont le temps de se préparer et ne seront pas pris au dépourvu. Donc, c'est le 24 septembre 2023 à Londres. Voilà. Après, il y a Anatoria qui a aussi un concert. Donc Anatoria, c'est une artiste gospel américaine. Donc elle, c'est vraiment genre les US et tout. Donc c'est vraiment rare de la voir en Europe et tout. Enfin, la voir faire un concert en Europe, ce sera vraiment rare. Et si vous aimez vraiment, vraiment, et que vous passez par Londres, ou que vous avez le temps de passer par Londres, en tout cas le 24 septembre, elle sera à Londres et elle aura un concert. On dirait grave qu'il me paye, il me paye pas un sou. Like. Ok. Donc vraiment. Donc elle aura un concert à Londres ce 24 septembre. Et donc voilà. Ensuite, on a le concert de Simian. Donc Simian Music, qui est devenue maintenant la femme du prophète Joël Francis Tatou. Donc Simian Music aura également un concert. Devinez où, s'il vous plaît. Devinez où, s'il vous plaît, à Bruxelles. Mais ça, là, c'est vraiment très tôt, dans très peu de temps. Donc, c'est le 6 mai, ici à Bruxelles. Et ça, je pense que j'ai pas encore bien regardé l'adresse. Sorry. Mais vous aurez tout en barre d'infos, du coup. Donc, ouais, elle aura un concert ce 6 mai à Bruxelles. Et je pense qu'elle va venir elle va inviter en tout cas des artistes externes pour pouvoir aussi performer pendant son... pendant son concert. Et puis voilà quoi. En tout cas, j'espère que ça va être fun parce que elle a vraiment beaucoup de talent, mais je l'ai jamais vu encore dans une performance, dans toute une performance en fait, sur une sur une scène quoi. Donc je sais pas comment la salle elle va être ou quoi, je sais pas comment l'ambiance elle va être. En tout cas, c'était tout. Donc voilà mes amours, ces événements, ces événements pour les 6 artistes qui arrivent dans pas très longtemps. Et je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je suis choquée de voir qu'on doit vraiment passer des heures à chercher. Si tu veux vraiment aller participer à un concert gospel ou un concert chrétien avec des artistes que tu aimes vraiment beaucoup, il faut vraiment passer du temps à chercher. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. On gagne du temps en fait, period.
Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je pense que même cette vidéo, ces vidéos-là, elles vont me rappeler des fois les événements qui se passent, donc ça va m'aider moi-même. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je prie, j'espère que vous allez bien. Et n'oubliez jamais, the most important thing, Jésus vous sauve. Bisous! Oui, c'est bien une poubelle derrière moi, ok?